Allô, allô? Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On est mercredi, notre troisième jour de carnet créatif. Alors aujourd'hui, euh, je vais vous donner des petites idées. Je sais que c'est gris un peu tout le monde. Euh, alors on va euh, prendre un petit café tranquillement. Alors euh, ça va faire partie de ma suggestion pour aujourd'hui. Euh, alors euh, j'espère que vous allez bien tout le monde. Bonjour Marie-Pierre contente de te voir, bonjour Judith, alors on va s'aider, on va se créer un petit peu de, de créativité, bonjour Claire, bonjour Lise, Georgette, Huguette, Judith, bon, je suis contente de vous voir tout le monde, alors euh, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un petit 15 minutes, hein? il faut que je relève le défi de le faire en 15 minutes, euh, pas de faire nécessairement mon carnet créatif, je ne veux pas rusher, vous allez prendre le temps que vous voulez, mais moi j'essaie de vous faire un petit carnet, je ne veux pas vous occuper toute l'après-midi, mais quand même, on va faire un petit 15 minutes ensemble pour que je vous donne des idées, que je vous stimule. <laughs> tu viens de voir ton bonhomme Marie-Pierre, il est vraiment drôle. <laughs> bonjour, Pilosha, Daniel, Nicolas, Huguette, Claire, euh, qui, qui est là, Céline, René, bonjour tout le monde, je suis contente de vous voir. Hey, Nino, tu peux même m'agacer si je suis capable en 15 minutes. Je devrais. En fait, le plus difficile des fois, c'est juste de regarder l'heure. Faudrait que je me mette un timer. Je me dirait dans 15 minutes si jamais j'ai pas fini. Bonjour, Jocelyne. Bon, on va essayer. Madeleine, Nicole. Salut, les filles, euh, les gars. Oh, j'ai de la visite de Fernand qui vient faire un tour. Allô, Il veut sûrement sortir dehors, mon beau petit Fernand. Sur longtemps ne pas vu, là, hein, Fernand. Regardez, il a grandi, il a vieilli. Regarde, Fernand, tu dis du -tu bonjour. à la tête ah, oh, le petit Fernand, il est tellement cute. Ben, je dis, le petit Fernand, il a grandi, là. Ça n'a pas de bon sens. Oh, my God. Puis là, les chats, aujourd'hui, sont un peu, hein, sont un peu euh, indécis. Ils veulent sortir, ils veulent pas. J'ouvre la porte, ils restent dehors. <laughs> ah, mon petit Fernand, il est là pis il y hein. Là, il fouine. Ah, non, 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 fais pas ton talent. Il va... Tu sais, j'ai tellement... Un atelier, pis vous savez ce que c'est, tout le monde, vous avez un atelier. <laughs> Allô Louise. Alors euh, j'espère qu'il fera pas tout tomber parce que j'ai sorti quand même plusieurs choses. Alors on va tomber dans le vif du sujet. Je vais aller je regarde de l'autre côté parce que je watch Monferna Fernand. Et my God. C'est rare qu'il vienne dans l'atelier lui. Il vient me voir rarement. Ah oui tu vas repasser tu veux faire ta vedette là hein, c'est ton tour et voilà. <laughs> D'habitude <Good show. rire> c'est Picasso ou Sophie. Non, non, c'est rare fait que là, c'est pour ça que je suis un peu, un peu sous le match, je ne sais plus ce qu'il va faire. Tu sais, il y en a. Qu quand il vient, des fois c'est juste qu'il veut de l'amour ou il pitche tout à terre. Sophie, elle a pitch tout à terre pour pouvoir aller dehors. T'sais, ils ont chacun leurs habitudes. Lui qui vient dans l'atelier, oh, ça regarde drôle. <laughs> Bonjour ma belle ici. Alors, là, ce que je vais faire, je vous mets ça sur l'écran euh, du dessus. Vous allez pouvoir euh, voir euh... C'est lui Robert, allô de Magog! Hey oui! On fait le tour, on est une belle gang, là! Écrivez donc où vous êtes actuellement parce que là vous êtes peut-être en vacances à quelque part. Il Y en a t qui sont en vacances ailleurs que chez eux Écrivez-nous donc qu'est-ce que vous visitez là. Alors, ma caméra aujourd'hui, euh, bon j'ai euh, plusieurs carnets vous savez. Euh, vous allez pouvoir, on va y aller, on va commencer aujourd'hui en noir et blanc et si vous avez quelque chose avec de la couleur, ben je vais vous suggérer de mettre de la couleur, mais ah bonjour Sanja! Lucie qui est là des Grambay. en vacances, Lila cool, t'es dans en vacances t'es dans ta région ou ailleurs? Je sais pas si vous vous promenez un petit peu. Hein. Euh, là ce qu'on va faire aujourd'hui, euh, on va vous... sincèrement aujourd'hui on y va mollo. Je vous fais une sortir dehors étant donné qu'il mouille pas mal. Est-ce euh, qu'on a fait la dernière fois? Je vous avais donné des petits devoirs mais je vous avais suggéré fortement de faire euh, des fines herbes. Alors voyez-vous moi j'ai continué ma branche, des fleurs un peu et savez-vous ce que j'ai fait et là je me suis dit faut que je leur en parle, je vais leur en glisser un mot. J'ai pris la feuille de coriandre que j'avais et je l'ai collée. J'ai tout simplement pris un gel brillant, oups, un gel brillant, un soft gel ferait l'affaire. <laughs> Quelque chose de transparent en fait. Alors euh, j'ai pris le soft gel, je l'ai collé. Est-ce que la couleur va rester intacte euh, Je j'en suis vraiment pas sûre. Mais c'est pas grave. Au moins, je vais avoir ma petite euh, mes, mon exemple, en fait, puis je vais pouvoir m'amuser à recommencer. C'est ma feuille de référence pour euh, la coriandre, pour les fines herbes. Je vois que vous écrivez les noms des, des places. C'est cool. Ah, je vais regarder voir. Saint-Paul de Lille au Oh my God. Hey, on allait là quand on était en vacances. Hey, je me souviens pas en vacances, mais avec l'école, on allait visiter par là. Thérèse en Abitibi à Amos. Euh, vous êtes plusieurs à Amos, Thérèse? Ah, oh non, ok, c'est toi qui l'écris. Les sables. En, je, je suis de Saint-Eustache, Joanne. Bonjour et bienvenue dans le groupe, Joanne. Lila Vendy, Cowansville, Petit trois jours à Lévis. Hey, bonjour, qu Québec, hein. À Lévis. Et imagine de Picasso demain soir. <laughs> ouais, ouais, ouais. Oh, Solange qui est là. Allô. Et Feline qui est là. Alors, c'est ça. Alors, ça, c'est ce qu'on a fait euh, vendredi passé. Alors, aujourd'hui, on est mercredi. Je fais deux directs, une fois le mercredi, une fois le vendredi. Port, Pont-Rouge, Sorel, il fait beau. Ah, cool, chanceuse, Céline qui fasse beau. Nous, c'est très gris et vraiment humide. Alors, aujourd'hui, ça va être un sketch. Euh, ce que je vous recommande, euh, ça va être en noir et blanc. Ça va dépendre du médium que vous allez utiliser. Dieppe, Val d'Or, waouh on se promène, c'est cool. Alors, ça va dépendre du médium que vous allez utiliser. Si vous prenez juste de l'aquarelle, vous pourriez y aller avec un carnet d'esquisse, de, mais ce n'est pas l'idéal. L'idéal, ça serait peut-être euh, le mix média ou carrément euh, un carnet euh, de papier aquarelle. Mais, ça se fait de l'aquarelle sur un carnet d'esquisse. Euh, je pense, je l'ai-tu fait sur celui-là? Oh non, c'est sur mon autre. Lui, il est vraiment vierge. OK. Mais, euh, je veux faire mon dessin là-dessus. Mais je vais pouvoir, vous allez voir. En fait, ce que ça fait, c'est juste que ça gondole de temps en temps si jamais le papier n'est pas assez épais. C'est la différence. Fait que ça dépend de vous, vous allez voir. Plus votre, votre pigment, plus votre médium va être lourd, plus ça vous prend des grosses feuilles. Et euh, des feuilles qui sont plus euh, fortes en grammage. Ah, ça me fait plaisir, Hélène. Ça va en faire du bien, hein? Ça fait du bien. Alors, notre petit 15 minutes aujourd'hui, ça, c'est ce qu'on a fait euh, la semaine passée. Hey, on en a fait quand même. Moi, j'ai continué à faire un peu euh, du mix média. Alors là, je prends mon carnet d'esquisse parce que je veux vous donner des petits trucs de dessin. Je ne sais pas si vous les avez déjà eus. Je les ai déjà, j'en ai déjà parlé, mais au cas où. Pis sinon, ça pourrait être un bon rappel. Alors, ce que je veux vous suggérer aujourd'hui, c'est vous de faire une petite tasse de bonheur. En fait, c'est une page qu'on va décorer. Là, ça c'est mon élastique, mais qu'on va décorer avec le café, le thé. Vous pourriez mettre la tisane. En fait, je vous suggère fortement de vous prendre une tasse que vous avez à la maison ou tout près de vous et là, je vais vous donner des trucs de comment dessiner une tasse pour que ça ait de l'allure, <laughs> pour que ça se tienne. Je vous donne le truc de dessin et après ça, vous allez le décorer avec tout ce que vous voulez. Donc, du côté, moi, du côté du thé, ben, j'ai fait un sachet de thé, des petites feuilles de thé. Du côté du café, j'ai fait des grains de café. Je me suis amusée à faire couler le café jusqu'en bas. Il faut laisser aller notre créativité. Alors... Dans un premier temps, ce que je vous suggère, c'est de dessiner la tasse que vous avez et ensuite, vous allez inventer le reste et on n'utilise pas plus que trois couleurs. Comme là, moi, j'ai utilisé mon noir, qui était mon crayon, et le rose et vert. Alors, je vous suggère d'utiliser deux couleurs qui vous plaisent. Alors, c'est le défi. Et ce que j'ai fait, j'ai fait des petites lignes tout le tour. Ça a l'air de rien, mais ça habille et ça donne un autre, un autre ambiance. Les tasses de café, je veux que vous soyez créatives. Et là, je vais vous donner euh, des trucs de dessin pour savoir comment les créer, pour que les formes soient différentes. Mais au niveau de la texture, c'est vous qui allez les inventer. Fait que vous pouvez faire une capture d'écran, si vous voulez. Ça peut vous donner des idées. Alors moi, je me suis laissée... T'es en train de lire boire un cappuccino, Lynn? Hey, c'est merveilleux! Ben, c'est ce que tu dis. Je me suis dit, on va être après-dîner. Il fait pas trop beau. Probablement que tout le monde a un café dans les mains ou un verre de quelque chose. Fait que vous allez pouvoir avoir vos références, vous allez pouvoir les regarder. Alors, les petits trucs pour commencer, euh, j'y vais avec un de mes crayons. Et comme je vous avais parlé l'autre fois, il y en a avec des, des pointes extra, extra, extra fines. Eh, Regardez-moi ça comment c'est fin. Ça, c'est quand on fait des détails, c'est à la fin. Hein. Ce n'est pas au début que j'utilise ces crayons-là. Euh, ensuite, vous avez les crayons qui sont fins. Regardez celui-là. Il est un petit peu plus gros, mais tu sais, pas bien. Ben. En fait, ah, je pourrais vous le montrer qu'est-ce que ça fait comme trait, regardez bien. Voyez-vous le, le petit trait là C'est très délicat. Ça c'est le extra small. OK. Ensuite, j'ai le fine que là la ligne est un peu plus quand même, tu sais, elle a pas l'air si grande mais regardez quand même. Hein, c'est fin mais c'est quand même un peu plus épais. Regardez la différence au niveau du coup de crayon. Il y a une différence. Fait que quand qu'on dessine, ça paraît Ensuite de ça, vous avez, euh, là j'ai deux marques euh, carrément. Euh, c'est mon micron, celui-là, voyons la grandeur, la grandeur, la grandeur, 0,1, puis le 1, tout simplement. Il y en a un qui est beaucoup plus large que l'autre. Celui-là, il est fin aussi. Fait que ça, c'est mon 0,1. OK, vous allez voir la différence. Je vais écrire à côté mon micron. Micron, pigma, il me semble. Ouais, c'est ça, pigma. Je les aime beaucoup. J'utilise euh, les deux, ça dépend. Il y en a un qui va être, euh, c'est des pigments, des micro pigments qui c'est waterproof. Puis l'autre c'est de l'encre souvent. Euh, lui aussi il est waterproof, mais c'est de l'encre euh, de chine celui-là. Fait que c'est pour ça souvent que j'utilise euh, ceux-là, j'aime bien. Pour... Puis l'encre de chine ça va pas sur une toile, hein. en passant ça va juste sur du papier. C'est pas fait pour la pour une toile. Ok Vous allez me dire oui ça tient Céline, ouais ça tient mais ça peut craquer à un moment donné. Si vous voulez vraiment le feeling de l'encre, prenez de l'encre acrylique pour aller sur une toile. Alors celui-là, c'est un pigment mais graphique. Ah, j'ai écrit c'est pas micron, c'est graphique, graphique. Alors celui-là, regardez, la pointe est beaucoup plus grosse. C'est hein? que celui-là, je l'aime bien en deuxième temps. Dans un premier temps, j'aime bien commencer avec le fin. Celui-là, il est comme moitié moitié. Si je veux des petits détails, de la finesse, j'y vais avec mon extra small. Et souvent, je vais aller rajouter des traits beaucoup plus euh, plus forts avec euh, mon plus gros, une pointe plus large. Ça dépend des marques. Des fois, vous allez voir, ça va être écrit extra small, small, fine. Euh, B pour euh, plus gros. Euh, vous allez voir là. C'est en anglais, évidemment, là, mais quand même. Alors, hey, le temps file, ça fait 13 minutes 44. Impossible que je fasse 15 minutes seulement. <laughs> On y va dessus pour 20 minutes parce que là, j'ai même pas commencé à vous montrer le truc. Mais quand même. Alors, <laughs> c'est trop drôle. Je pense que je vais prendre le plus gros crayon pour vous pour que vous le voyez bien. Je pense à ça. Il y en a qui doivent rire, hein? Oh my god! Je vous garantis que d'ici la fin, je vais finir par réussir à faire jusqu'à 15 minutes. Mais là, hein? <laughs> on va gérer. Alors, pour dessiner une tasse, il y a des petits trucs faciles qui vont vous aider. Le premier truc que je vais vous donner, vous allez commencer par faire un ovale. Et là, quand on fait un ovale, Allez pas faire en deux coups comme ça, le val c'est sûr, ça marchera pas, ça va être tout croche, ça va, tu sais, avoir un côté plus bombé. Si vous voulez réussir à faire quelque chose, à la limite prenez un crayon de plomb. <laughs> si je suis surprise, oh my god, ça serait pas honnête de dire que je serais surprise. <laughs> ouais non, je suis pas surprise, mais je voulais faire un effort, mais tu sais, il faut que je prenne cinq minutes pour vous jaser au début quand même. Aïe, aïe, aïe. Alors, le rond, alors on y voit un ovale, puis là quand vous prenez votre crayon-plomb, de plomb, arrêtez pas tant que vous n'avez pas la forme que vous voulez. Pourquoi qu'il faut pas arrêter? C'est que vous allez, la main va envoyer le message à votre cerveau que c'est comme ça que vous voulez lors du dernier trait. Et je vous le dis, le cerveau s'en souvient, la fois d'après, votre ovale va être super beau. OK? Ça, c'est le premier truc. On n'arrête pas tant qu'on ne l'a pas à notre goût. Deuxième des choses, quand vous vous levez le matin, vous, si vous êtes de bonne humeur, hein, ben habituellement l'autre qui est avec nous, il va être de bonne humeur. Mais si l'un y en a un des deux qui se lève puis qui est mal à bout, ben l'autre il risque d'être de mauvaise humeur. Ok? Fait que, tout ça pour vous dire que s'il y en a un qui est de bonne humeur puis que l'autre il l'est pas, ça marche pas. Donc pourquoi je vous dis tout ça votre cercle quand vous faites une tasse le premier ovale en haut il est ovale et le second va être ovale donc il doit sourire de la même façon ici donc ça prend deux ouvertures semblables si vous allez euh, vous, vous faites un rond comme ça et quand vous faites un ovale quand vous allez tirer les traits ça marche pas OK ça prend vraiment vraiment deux comme ça deux ovales semblables d'accord alors vous allez faire deux ovales qui sont avec un, une ouverture semblable. Alors l'ouverture va être tu dans le même style, ça sera pas un très grand là, tu sais qu'on a une grande ouverture. Ça prend deux ovales et là vous allez idéalement, vous allez trouver le centre. Là c'est des trucs de dessin là que je vous donne, mais tu sais quand vous allez faire votre croquis dans votre carnet de sketch, vous n'êtes pas obligé de vous stresser avec tout ça, je vous en profite pour vous donner des trucs là. Alors vous allez mesurer la distance de là à là et de là à là. Comment qu'on fait ça? Vous pouvez prendre un petit ruban à mesurer. Ou donc, mon truc préféré, c'est avec une brochette. Hein? Vous prenez une brochette de poulet, vous mesurez <laughs> de poulet pour faire du, du barbecue, là. Et là, vous allez mettre votre doigt à l'endroit où vous mesurez. Je le mesure. Et là, je vais vérifier est-ce qu'il est pareil. Non. Ça veut dire que là, pour avoir pareil, j'aurais dû arrêter ici. Fait que ça, ça m'indique qu'il faut continuer jusque-là. Bon. Vous devriez me voir, j'ai Fernand qui vient de, ah, ben, là, vous le voyez, hein. Fernand, qu'est-ce que tu veux? Tu vas aller dehors, mon petit tipi? Tantôt! Maman, elle essaye de faire ça en 15 minutes! <laughs> oh, boy! <laughs> Alors, euh, là, quand vous allez avoir les bonnes distances, à ce moment-là, vous allez tirer votre ligne vers le bas et regarder votre, l'ovale. À ce moment-là, l'ovale, il doit avoir égale distance de, de là, là aussi. <laughs> Je pense qu'il va aller dehors. <laughs> alors, si vous avez égale distance d'un bord et de l'autre, à ce moment-là, quand vous allez tirer vos deux lignes ici, votre pot, il va se tenir puis il sera pas tout croche et tout déphasé. Parce que je vous donne un exemple, si je le fais comme ça, alors là, je suis en train de le faire comme il faut, si je vous le fais comme ça, hey, Fernand, t'es tannant! <laughs> il se promène, il veut sortir. Maintenant, j'y vais comme ça, j'exagère. Ben là, quand on va tirer les lignes, le pot, ça marche pas, il va être tout croche, ok? Alors, il faut vraiment, idéalement, mesurer votre, vos ovales. Puis si vous avez de la misère, faites-en un ovale entre les deux de plus. <laughs> My God, Fernand, il est intense aujourd'hui! <laughs> oh boy! <laughs> oh là là! On va finir par l'avoir. OK. <laughs> Donc, le truc de dessin pour faire la tasse, c'est ça. Et ensuite de ça, selon l'angle que vous allez mettre... Êtes-vous encore là, tout le monde? Oui? OK selon l'angle que vous allez mettre votre euh, votre euh, poignet à ce moment-là vous allez, vous allez savoir si l'anse est plus vers l'arrière ou vers le devant si vous voulez faire l'anse vers le derrière donnez un angle comme ça si vous voulez que l'anse soit plus vers euh, l'avant ben à ce moment-là l'angle va descendre vers le bas j'exagère les mouvements mais ça pour vous donner une idée si vous êtes vers l'arrière on devrait pas voir le début de lance, à ce moment-là, elle devrait être beaucoup plus courte. Là, j'en fais une comme ça pour vous donner une indication. Puis, vous allez pouvoir l'épaissir, l'arrondir, faire ce que vous voulez. OK? Je vais juste changer de page pour vous montrer l'autre truc. Fait que si je refais... et hey, là, il est croche, hein? Je fais tout sauf ce que je vous ai dit. Je vais aller vite pour lance. OK? Si vous faites, à ce moment-là, lance par en avant, à ce moment-là, on devrait voir l'ancrage ici. Donc, là, vous pourriez descendre comme ça... Et descendre comme ça. Et là, vous allez pouvoir le faire. Là, ça va fonctionner. Là, tu sais, on le regarde puis on le sait, elle est vraiment passé longue, mais allongez-la, c'est tout. OK? Puis vous allez pouvoir lui donner une forme, vous allez pouvoir le grossir. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire. Mais quand c'est tourné et que ce n'est pas de côté, ça devrait toujours être beaucoup plus court. Coupez de moitié environ et ça va fonctionner beaucoup plus. Si vous voulez mettre deux ans, hein, des fois il y a des bols avec deux ans à ce moment-là, faites une flèche avec l'anse d'ici. OK Allez dans le même sens et imaginez qu'il y a une flèche ici. Alors, vous avez déjà l'indication du sens que ça devrait être. OK Cela et cela devrait fiter. Fait que déjà, vous savez que votre autre anse devrait être là. Là, c'est sûr qu'on va la mettre plus basse, tu on va il faut vraiment le descendre, mais vous avez une indication sur dans quel sens ça devrait être et elle doit être beaucoup plus courte, celle-là, oubliez pas. D'accord. Là, je vous donne des petits trucs. Alors, euh, au niveau du dessin, pour ça, ça va. Là, quand vous voulez créer, si vous voulez créer et inventer une tasse, je vous donne des trucs. Là, regardez pas si elle croche ou quoi. Là, je vous donne des trucs. Alors, on fait une lance comme ça. Si vous faites un, un plus petit bas, vous pouvez rentrer la courbe comme ça. Et là, vous venez de vous faire une tasse à thé. Et si vous voulez faire le bol qui va autour, ben là, faites un ovale. N'oubliez pas, le val, il doit fitter avec ça et ça. Parce que c'est la vue, c'est la profondeur, c'est la perspective. On devrait avoir le même angle. Ensuite de ça, j'en fais un comme ça et j'en fais un un peu plus large. Mais là, on vient de changer. Et là, je peux courber, si je veux, même mon, ma tasse. Je vais avoir une tasse plus comme un bol. Et si vous voulez donner une courbe ou plusieurs angles, bien là, vous pourriez arriver et faire, par exemple, de quoi de plus large et rapetisser ici. Fait que là, regardez, à ce moment-là, c'est vous qui allez gérer la forme de votre bol ou de votre tasse. Alors, à vous de décider du type de, de, de tasse de café que vous voulez. Si vous voulez un mug qui est vraiment carré, faites-les égales et vous allez avoir quelque chose de égal. Alors, tout ça pour vous dire que le défi du jour aujourd'hui, je vous suggère de vous faire une double pâte. On fait une tasse, un, un plein de tasses différentes. Fait que commencez par non copiez une, faites-en une que vous allez voir, soit dans votre dans votre ordinateur, dans votre... Euh, dans, dans, à, à vous, avec vous, vous n'avez sûrement une. marie ça fait 15 minutes. Oui, merci! Moi, <laughs> bon, on dirait que mon cadre a arrêté de compter. <laughs> oh, bye-bye! Alors, ce que je vous suggère, c'est de vous amuser de créer... Je vous donne le défi. Le défi aujourd'hui, thé, café ou thé, tisane, peu importe ou ça peut être du jus, du lait, n'importe quoi, du vin. Mais vous avez eu le truc de dessin aujourd'hui. La suggestion, je vous suggère de vous mettre la couleur. Vous pouvez mettre deux, trois couleurs. Maximum trois couleurs qu'on dit. Fait que je vous suggère noir. Ensuite, la couleur, deux autres couleurs. Si vous ne savez pas quelles deux couleurs prendre, vous pouvez prendre les complémentaires, mais allez-y avec votre imagination et faites des tests. C'est le temps de tester. Alors, je veux voir des accessoires. Plus qu'une tasse hein, dans chacun des deux. Et on veut voir des accessoires et rajouter un peu d'humour dans tout ça. Alors, amusez-vous. J'espère que ça vous donne des idées pour aujourd'hui. Une petite journée un peu plus euh, comment je pourrais dire? maussade. Parce que c'est gris, nous autres, ici à Sherbrooke. à 18 minutes, ben c'est pas cité, c'est pas cité. J'ai essayé de respecter euh, ce que je vous avais promis. Alors, le défi aujourd'hui, c'est ça. On se fait des petites tâches, quelque chose de relax. Et euh, vendredi, on va faire quelque chose qu'on va observer à l'extérieur. Alors, le défi aujourd'hui, c'est quelque chose à l'intérieur. Et vendredi, ça va être quelque chose à l'extérieur. Alors, j'espère que ça vous donne des idées. J'ai hâte de voir vos carnets de croquis. Si jamais ça vous tente de les partager, vous pouvez les mettre sur le groupe privé. Euh, J'en ai eu qui ont déjà commencé à le mettre dans l'album. C'est fun de voir ce que vous faites. J'aime ça. Et puis, on avait aussi parlé de faire la page couverture, de faire l'intérieur du livre. Si jamais c'est votre premier direct que vous, que vous regardez aujourd'hui, allez voir oui. les autres que j'ai faites la semaine passée. C'est le troisième aujourd'hui, fait qu'ils sont faciles à retrouver. Le premier, il est même sur ma page YouTube. Si vous voulez recevoir les notifications à chaque fois que je fais un direct, juste à, à vous abonner. Si vous êtes déjà abonné et que vous cliquez dessus, vous vous désabonnez. Fait que faites juste attention pour, euh, pour ça. Mais. Je fais pendant six semaines que je vous ai dit, six non, huit semaines. Ça, vous allez avoir 16 directs avec des idées, des trucs pour se faire un carnet créatif pour stimuler votre créativité. Hey, c'est le fun, ça, Sonja! Ton premier direct. Alors, euh, vous pouvez partager. Hey, oui, c'est vrai, j'ai oublié de partager. Hey, il faut que je partage sur ma page. Vous partagez sur Facebook. Vous pouvez partager où vous voulez. Partagez-le, c'est. Tout le monde est en vacances. On a du temps. Ça va vous prendre. Vous pouvez passer juste 15 minutes là-dessus, comme vous pouvez passer une heure. Vous pouvez passer le temps que vous voulez, dans le fond. Moi, c'est juste pour vous aider. Vos carnets créatifs, ceux qui ont des outils, qui veulent voir, qui veulent utiliser euh, lors du premier direct. Non, la semaine passée, j'ai mis les liens de tous les produits. Et sur ma page YouTube aussi, j'ai mis les, les liens de tous mes produits. Et vous avez mon code promo de chez Dosser à 10 de rabais aussi que vous pouvez utiliser. Alors... J'espère que vous avez aimé ça. C'est mieux? Je pense que c'est mieux 30 minutes. Ah ouais, mais c'est-tu 30 minutes que ça a pris? Mon cadran on dirait qu'il marche pas. Oh, 24 minutes! C'est pas pire! 24 minutes, c'est pas trop pire. Si on peut s'en tenir à ça, mais je vais essayer 15 minutes vraiment. Je vous avais promis 15 minutes. On va essayer ça. Là, je vois des petits commentaires, je vais répondre aux commentaires. Mais partagez, likez. Moi, ma, ma récompense actuellement, là, c'est quand vous likez, vous écrivez des commentaires. C'est comme votre façon de me dire merci, là, moi, je suis heureuse avec ça. Ah, oh, puis je vois un petit morceau, mets un beau merci. Merci. Tu peux partager que sur le groupe? mais partage sur le groupe. C'est bizarre. Sur ta page perso, tu peux partager d'habitude. Vous pouvez partager, j'en euh, ai pas. Mais déjà, si vous faites des likes, déjà, les gens vont peut-être euh, le voir. Il pleut chez toi, ah, c'est ça. Hein. Il fait pas beau, fait qu'on va stimuler notre créativité. Puis si vous vous dites, hey, j'ai le goût de faire plus que 15 minutes. Pas juste le, le café et le thé, ben faites-vous euh, des pichets de, de vin, de la bière, n'importe quoi. Euh, Allez-y dans tout euh, ce que vous avez comme vaisselle dans votre armoire. Dans le fond, le carnet créatif, c'est pas obligé d'être juste les, les 15 jours qu'on va faire ensemble. Ça me fait plaisir. Addition soleil. Merci. C'est trop bien fait. Ah, c'est le fun. Moi, je vais aller euh, je vais aller m'amuser. J'avais. En fait, je continue de préparer tous vos directs. Je les ai toutes dans les idées, les idées, je les ai. C'est de prendre le temps des de faire. Moi, c'est ça mon défi. <laughs> Et on se revoit vendredi, tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une superbe journée malgré tout. Malgré la température. Hein? On reste dans... Moi, je reste dans le sous sol aujourd'hui. C'est plus frais un peu. Bye tout le monde. Merci beaucoup. Et puis à vendredi, même heure. Oui, pas plus que trois couleurs. C'est le défi aujourd'hui, Céline. En plein ça. Salut tout le monde. Bye-bye, Sanja, Marie-Pierre, René. Bye then.